Avec nous, docteur Joseph Durandis. On va essayer de faire mieux comprendre et nos façons académiques. Qui ça on vit aussi, docteur Durandis? Bonsoir Patrick, bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé. C'est un plaisir pour nous là. Et pour nous répondre à la question là, très rapidement, on vit oui, c'est ça nous relève, un parasite, mais qui pitié en pile. Le nous a parlé de virus, on a parlé d'un agent infectieux qui vient à peu près entre 40 à 200 nanomètres. Si on rappelle, un nanomètre, c'est un milliard fois plus petit que un mètre. Donc, le virus, là, et qui est parasite, là, je dis, qui est très petit, hein, il n'est pas qu'à reproduire tête pour col. Donc, pour le reproduire tête, c'est-à-dire pour le faire l'autre virus, il faut qu'il entre dans un système. Le système, ça a un droit à son monde, il a son plante, il a c'est un bête. Donc, c'est ça qui est un virus. Alors, il y a plusieurs types de virus. Il y a un virus qui a un matériel génétique non seule copie. Il y a un qui a deux copies. En général, le virus qui a une seule copie, il est facile pour le faire erreur, le la reproduire. Et le erreur, ça arrive, le fait que son seule copie, il gagne, il ne doit pas corriger erreur, ça. Et ça, ça vient faire, il vient créer un autre virus. Donc, c'est ça qu'il faut. Je nous dis, le virus, là, et s'il est attaqué, on bête, il y aurait ça en zoonose. Mm-hmm. Et des fois, ça peut arriver, les cas passés et de on bête à un monde à la faveur de circonstances. Donc, c'est ça nous a dit et un peu de mots mm-hmm. pour nous dire qui ça qui est un virus. Okay. Alors, mm-hmm. Mm-hmm. Alors, virus, ça, il y aurait le COVID-19, là, il est pratiquement, on a dit, là, défrayé la chronique. Il est dans le monde, il est dans les 5 continents. Uh-huh. Bon, mon petit histoire de virus. Côté ça. Mm-hmm. Yeah. Alors, pour nous bien dire, avant, on a dit tout le monde que virus, ça, il est SARS-CoV-2, c'est maladie qui est le COVID-19. Okay. Alors, maladie que virus a causé, hein, lié le COVID-19, mais virus en relais SARS-CoV-2. Pour nous bien comprendre, il faut nous comprendre la famille de virus que relais coronavirus, hein, qui a été découvert depuis l'année 1960. Je nous dis, hein, virus, ça, hein, en pile là, d'ailleurs, affecté bête, tant que chauve-souris, tant que toute l'autre bête. Il y a là, tout qui a affecté Timoun côté au biogrippe. Mais, ça a venu remarquer en 2003. Il y a un virus qui passait justement de bête à monde et il y a eu le SARS-CoV. Pour qui ça? Parce que le SARS, c'est pour un mot anglais qui veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome, mm-hmm. CoV pour coronavirus. Mm-hmm. Alors, on dit tout type de virus, ça, pour qui ça a eu coronavirus, c'est parce qu'il y a eu un type typique sous tête qui semblait avec un couronne. Donc, en 2003, en Chine, justement, il y a eu découvert. C'est une épidémie avec SARS-CoV-1. Et puis, en 2012, il y a un lot qui est le MERS-CoV, qui est le Middle Eastern Respiratory Syndrome, qui sont l'autre virus qui a fait une épidémie dans la zone Arabie Saoudite. Maintenant, dans fin 2019, en Chine, dans la zone de Wuhan, ils viennent découvrir un lot type de virus qui est le SARS-CoV-2. Pas gain 1, je ne t'ai pas dit. En 2003, ça a été, je viens de lancer SARS-CoV, mais au moins qu'il y a pile et ressemblance à deux virus. C'est ça qui fait nous ressembler, mais en fait, ce n'est pas le même virus. Donc, mm-hmm. c'est ça nous a dit en gros de historicité de virus. Docteur Joseph Durandis, en pile monde paniqué. Yes. Nous voyons que Kayo a augmenté dans le monde, aux États-Unis et notre cher pays Haïti. Il y a 7 cas et puis il y a 104 personnes qui sont en quarantaine. Mais ça n'a pas dit là, il a augmenté à tout moment. À tout moment. Et comment on fait test pour le coronavirus là? Oui, alors si ça ne te voulait et montrer Mounio, premièrement, je dis Mounio, ce n'est pas un test que vous prenez sans. Parce que nous connaissons plus de monde qui peut. Fait test sans parce que vous parlez ensemble. Donc, nous avons fait une petite démonstration rapidement pour nous montrer mon yo, comment vous faites. Voilà. Okay? Donc, nous avons mené avec un mannequin qui pourrait permettre que le docteur Durandis montre nous comment vous faites test là. Donc, c'est test là. Alors, il faut nous dire test sans, c'est un test moléculaire. Mm-hmm. C'est un test qui permet et nous pouvons faire ça avec un swab. Mm-hmm. Parce que ça, une bagaille que nous remarquons un peu, c'est que le virus, mm-hmm. help me with this, it's a little bit. Mm-hmm. Ouais, excusez.
virus là et les attaquer voie respiratoire. Okay. Donc où je viens pile dans le nez avec la gorge. Okay. Donc c'est deux côtés ça yo que on fait ma contre Patrick et can open for me. Donc tu as dit ça banon de oui, ça c'est soit blanc. Test, ça c'est soit blanc et que swab ça que nous pas l'utiliser pour nous passer dans gorge mon avec nanel et à partir de ça on a mettre le substance. Okay. Et puis après ça après ça, nous voyons dans le laboratoire. Faut nous dire, il prend à peu près, et dans côté de Vivre, Miami, ça prend à peu près 3-4 jours jusqu'à présent pour nous recevoir le test. On a fait une démonstration. Une démonstration de test. Alors, nous ne voulons pas que nous comprenions que son malade qui là, c'est plutôt une démonstration pour nous connaître. Je nous dis, en son swab, ça veut dire nous allons passer le langage avec la naine et puis nous voyons dans le laboratoire. D'accord, on a OK. Open your mail. OK. Donc, nous swab et gorge là. OK. Et puis, nous swab et nerf. OK. 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 Donc, nous carrez et puis nous mettez li. Vous déposez là. Et puis, nous cassez. OK. Voilà. Et puis, et vous fermez. Nous fermez. Voilà. Donc, c'est test là. C'est ça, très c'est simple. Test. Hein? Son bail est très simple. Les gens qui ont et puis nous voyons dans le laboratoire là. Okay. Donc, il prend à peu près 3 à 4 jours, mais nous espérons que dans le jour qui va venir, il prend moins de jours pour nous faire. OK. Donc, d'accord. Merci quand même pour. On est quand même en malgré. Oui, exactement. Merci. Donc, c'est ton démonstration que docteur et docteur a été démontré dans le commentaire cette affaire. Bon, maintenant, en nous aller un petit peu plus en profondeur par rapport à mode de transmission. Mode de transmission virus là, nous que gon préférence et pratiquement pour personnes âgées, donc il va protéger personnes âgées. Ça fait que personnes âgées on a un mode de transmission d'abord. Donc mode de transmission, ça veut dire comment virus s'en transmet. Donc virus s'en transmet à partir de gouttes respiratoires, c'est ça qu'on dit en anglais, droplet. Bien que ouais, dans des cas il commence ouais et que les cas transmettent airborne. Airborne, ça veut dire les cas dans air là que on prend, mais nous qu'a dit c'est à travers goutte respiratoire. Maintenant, on t'a parlé qui monde ou t'a demandé monde qui plus à risque. À risque. Donc tout le monde à risque, mais gain de monde le fait que soit l'âge, monde qui âgé et puis monde qui gain des conditions comme des maladies chroniques, ça veut plus à risque pour maladie, fait plus de dégâts. Mais ne pas vouloir moun yo penser que son seul groupe de monde que virus ça attaqué. Pour qui ça nous dit ça? Parce que nous connaissons plus de monde qui est jeune, qui a dit ah, moi-même, moi jeune, moi pas grand qu'une maladie, pas grand qu'une maladie chronique, donc pas grand risque pour que virus ça attaqué. Donc, c'est à partir de ça, pour nous rappeler l'âge et puis maladie chronique. Je propose, je cause avec un docteur Joseph Andiondis, qui se bat dans la démonstration là, comment test là fait pour déterminer si mon gagne un virus là. Nous tournons après la pause, nous pouvons faire d'autres considérations, par exemple, sous des mesures que l'autorité au monde d'équipe prend, en façon pour bien sûr faire une sorte d'isolement et social distancing ou bien social isolation pour permettre que nous ne pas propager le virus là. Je propose pause sur la télévision de Adam TV en hier. Fomé mio kouman nouye, mwen se Emeline Michel et jodi a m ta remè invite tout moun ki gen Medicare, Medicaid avec tout lot assurance pou vini visite nou nan Excel Medical. La nou vini nan Excel nan jwenn Dr. Joseph Durandis ak Dr. Jean-Michel Amezian. Nan Excel, nou ba nou garanti nan pou jwenn yon servis personnalize. Sa vle di, bon docteur. Transportation, la pote médicaments la caillou et on a bien accès à un pile spécialiste. Adresse Excel, c'est 139 36 Northwest 7e Avenue. Numéro de téléphone, c'est 305 364 57 78. Rélé Coulier. Excel, yon équipe nous a fait confiance. Sorti 15 octobre, rive 7 décembre. Ou même qui gagne Medicare, Medicaid. Kounia, c'est le bon moment pour venir joindre nous dans Excel Medical Associates pour un plan assurance avec un pile bénéfice. Pas oublier, relez-nous dans 305 364 57 78.
Docteur John, juste pour nous continuer avec ce dialogue, ça, on nous et comment on ne peut pas déclarer la demande de transmission est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'immunisation naturelle, par exemple, comment pour ne pas protéger nous, mettons distance là entre moi avec vous. Il y a comment nous-mêmes nous pouvons protéger tête nous, pour ne pas avoir un monde et pour nous-mêmes nous. Pour même nous, on n'a pas d'apprendre si on a une infection. Exact. Donc, pour m'expliquer ça bien, ça c'est la clé pour contrôler la pandémie. Hein. Je vous dis, il y a deux bagages qui sont arrivés. Ça, c'est l'immunisation naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une courte infection en fait, et où il y a une quantité de monde dans la population. Hein, qui, le fait que vous développez une immunité à la maladie, hein, ça va nous permettre que le virus ne pas continuer à propager. Ou bien, nous avons fait des actions qui car camper propagation, qui a ralenti propagation maladie. Pour nous comprendre ce que je dis, social distancing, il faut nous aller en 1918, côté de l'autre pandémie. Comme nous, dans le monde qui a songé, la grippe espagnole, qui a tué un peu le monde dans le monde. Et puis, bien, un événement qui est arrivé justement aux États-Unis, alors on a tout profité de dire, grippe espagnole, ce n'est pas parce que c'est en Espagne, c'est un bail qui a commencé bizarrement aux États-Unis. Mais le arrivé en Espagne, c'est là que ça monde là vient porter attention à ça. Alors, ça qui arrivé en 1918, dans un très rapide, il y a deux villes aux États-Unis, Philadelphie et puis St. Louis. Donc, tu as commencé, il y a des cas, même gens, ouais, ça a fait connaître. Et puis, tu as une parade que tu as fait à Philadelphie pour militaires, pour soldats qui parlent en guerre. Malgré comment il y a des gens qui prennent grippe là, Maryland a décidé de faire parade là quand même. Et ça arrivé une semaine après parade là, fin fait, quand il a monté de façon exponentielle, il y a à peu près 5000 personnes qui étaient affectées et qui mouraient dans la ville. Ça. Comparativement à St. Louis, côté Maryland a pris l'autre disposition, il a décidé de camper toute activité, faire sa relais social distancing. Ça veut dire prendre distance, ça veut dire tout le monde était là caillou et si on monde avec un monde, il aurait été à peu près à 1,50 m, 2 mètres de monde. Ça, vraiment, qui a pour une semaine, c'est que St. Louis a gagné moins que la moitié de cas qui arrivaient à Philadelphie. Donc, ça a venu être une leçon de santé publique. Une façon que vous avez fait pour ralentir la propagation et en épidémie, c'est faire social distancing qui c'est prendre distance. Donc c'est un bagage qui ralentit, ça lui permet de faire, c'est que les diminuer quantité de monde qui est infecté en même temps. Donc ça bail système dans temps pour prendre soin de monde qui est malade. Donc c'est un bagage qui marche. Donc c'est ça qui fait nous avons encouragé tout le monde. Je veux dire, je connais son bail qui est difficile, surtout le monde qui vit en Haïti, qui est obligé de vivre au jour le jour, même ici dans tout. Mais c'est une action de santé publique qui a permis de réduire le nombre de monde qui est infecté en même temps et qui a bâti nos temps pour nous répondre à la pandémie. Donc, nous encourager les gens pour faire ça. C'est ça. Pour nous finir, docteur Duandis, comme médecin, yes. Comment comprendre la démarche communauté scientifique là par rapport à en réponse à COVID-19? Bon, et le premier, ça nous a dit, c'est que l'I prend un peu le monde par surprise. Et nous avons dit, dans des pays, surtout en Europe et Kounia, aux États-Unis, nous vivons ça. Il y a un retard qui est affiché dans le sens action que nous étions supposés prendre. Parce que, soit bien gardé, son bail qui commençait en décembre. Et action que nous commençons à prendre, c'est très tard, fin janvier, fin février. Donc, en général, en pandémie, bagaille côté que nous avons souhaité, c'est jouer un vaccin. Mais un vaccin, c'est un bagaille qui prend à peu près un an à 18 mois pour développer. Et deuxième, où tu as joué des médicaments qui t'a permis de faire prévention. Malheureusement, pas aucun médicament qui est approuvé pour maladie. Tout médicament que a pu utiliser Kounia, c'est de façon expérimentale. Et c'est ça très important pour nous dire, parce que nous connaissons plein de monde, par exemple, qui prend des médicaments comme le chloroquine, des gens qui prennent tout le temps, est-ce qu'on fait une prescription pour nous rapidement, nous avons besoin de mettre le chloroquine là. Nous disons, faites très attention, parce que le chloroquine là, il y a l'autre effet secondaire, par exemple, il peut causer arythmie dans le cœur, il peut avoir un problème de vision. Donc, ce n'est pas un bail qui prouve, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, ça nous a dit qu'on y a un petit bon bail nous a fait
c'est prévention individuelle, laver les mains avec de l'eau, avec savon pour au moins 20 secondes. Le, si nous malades, rete la caille nous, les docteurs nous parlent travail, désinfecter toute surface que nous avons touché tout le temps, et surtout le nap toussé ou bien nap éternué, fait les noms papier et puis jeter et toujours laver main. Restez informé parce que c'est de bonnes informations qui permettent nous connaître comment maladie après aller. Donc ça c'est des débats individuels que nous avons fait à part de social distancing que nous parlons. Nous en plein monde mettez masque, est-ce que son bail qui prendre recommander si on n'a pas nos environnement vraiment qui est infecté. Non, si on n'a pas aucun symptôme, on n'a pas malade. Nous ne pouvons pas recommander ici. Si vous suivez les guidelines CDC, il n'est pas recommandé. Pour qui ça, c'est parce que, premièrement, pas bien ces masques. Et les gens qui vraiment besoin de masques, c'est les gens qui prennent soin des gens qui sont malades. Avec les gens qui sont malades qui ont besoin de sortir pour ne pas infecter l'autre monde. Donc, il est très important pour les gens comme ça, parce que les masques, en tout, les cas ont un réservoir de virus, parce que les gens nous disent c'est des gouttes respiratoires. Lorsqu'ils tombent sous le masque ou touchent, ça peut arriver qu'après ça, si vous ne lavez pas les mains, on a un visage ou qu'on va venir infecter. Merci, docteur Joseph Andjandis. Nous avons bien sûr on fait un segment sur information et analyse de pandémie ça qui est défrayé la chronique et qui, quand même, a fait ravage dans le monde, surtout actuellement en Europe. Bonjour, mes amis, comment vous êtes? Moi, c'est Emeline Michel et je vous dis à m'inviter tout le monde qui a Medicare, Medicaid, avec toute votre assurance pour venir visiter nous dans Excel Medical. Là, nous venons dans Excel, nous avons joué le docteur Joseph Durandis et docteur Jean-Michel Amézian. Dans Excel, nous avons garanti que nous avons toujours joué un service personnalisé. Ça veut dire, bon docteur, transportation, nous avons des médicaments à la caille et nous avons accès à un pile spécialiste. Adresse Excel, c'est 139 36 Northwest 7e Avenue. Numéro de téléphone, c'est 305 364 57 78. Relais Coulière. Excel, yon équipe nous a fait confiance. Sorti 15 octobre, rive 7 décembre. Ou même qui gen Medicare, Medicaid. Kounia, c'est le plus bon moment pour venir joindre nous dans Excel Medical Associates pour un plan d'assurance avec un pile bénéfice. Pas oublier, relez-nous dans 305 364 57 78. Attends-nous!